Nous allons nous tenir debout pour accueillir notre docteur. Il est là, le docteur Abdoulbaki, fait son appui. Attendez, s'il vous plaît. Alhamdulillah, tous les imams réunis, tous les cheikhs réunis, le docteur va saluer d'abord mon papa avant de revenir sous la bâche. Je vous en prie. Amen.
Là. Nous savons très bien, rien ne peut nous surprendre aujourd'hui. L'arrivée du docteur Tshek, le grand ambassadeur de la on peut recevoir tous les chefs d'État du monde entier. Ça, c'est le monde. Mais avoir une personnalité pieuse, c'est être des hommes de France. Des personnes comme vous qui ont, si je vais le dire, grâce à vous, les mécréants qui sont devenus musulmans. L'islam est vrai. Allah, il n'en a pas eu la chance de voir le prophète. Nos parents n'ont pas eu la chance de voir le prophète. Mais On ne peut pas nous donner de l'argent comme récompense de ce qu'il nous fait pour nous parler là-bas. Non. Donc à la Bible dit tout ce qui se passe là. Non. C'était déjà dans la présence d'Allah. Allahu Akbar. On a dit que ça devait se faire. Non. Et aujourd'hui, à l'aide de Dieu. Non. Et par conséquent, non. Nous avons estimé bon. Non. Y compris les autres frères qui sont là. Non. Ils se mettent ensemble. Non. Venir accompagner notre Père unique. Non. Dans le domaine de notre Dieu. Non. Notre maître commun. Non. Et venir maintenant saluer M. Koulibaly. Non. Qui est aussi notre grand frère commun. Non. Qui est aussi quelqu'un par qui Allah a passé. Non. Pour nous donner ce que. Je peux dire, c'est vrai, tu peux aller aux États-Unis. Mm. Tu peux faire. Tu peux parcourir le monde. Non. Mais si tu n'as pas fait le jeu, tu vas la jeu. Arrêtez. Mais nous, on n'a pas parcouru le monde. Pas non. Le monde, pas le monde, pas le tout à fait. Mais on a fait le pèlerinage. Non. C'est-à-dire le cinquième pilier de l'islam. Non. Grâce à Allah, non. Allah passe par quelqu'un. Par quelqu'un. Inch'Allah. Ni compris que moi, Bouyan. Non. Moi, Bouyan, ben, te wali. Il y a des gestes qui posent là. Non. Quand nous, on fait du mal. Non. On ne pouvait pas imaginer, même dans nos rêves. Non. Rencontrer le docteur. Non. À plus fort raison de saluer. Non. Ou bien manger à ta table. Non. Mais Allah a réalisé ça. Voilà pourquoi nous sommes tellement heureux, nous ne savons pas quoi faire. Donc, non. Pas être trop long. Non. En allant pour le balai faux. Non. Non. La banque se fout. Non. La banque a droit ou caille. Non. Parce que lui, il m'a fait pour moi l'ombre. Allah t'y met dans le pôle. Allah t'y pôle moi l'ombre. Donc, en même temps, ton frère, il est une même personne. Non. Avec droit ou caille. Non. Ta famille. Non. Ancien béni, fait-il. Arrêtez. On ne peut pas faire plus que ça. Non. Mais je pense qu'il y a un de là. Alhamdulillah. Allah, il est pas là qu'à abonner. Non. Avec toi, par la soeur, il y a la personne. Dans ces galets. Là, pourquoi avoir le cadavre. Vamos, Valerio.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمته. الحمد لله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. Nous remercions Dieu, Allah. نعم. Pour son plus grand bienfait. نعم. Celui de nous avoir dirigé sur la voie de l'islam. نعم. C'est au nom de cet islam. نعم. Nous sommes réunis aujourd'hui. Non. Nous ne sommes pas réunis pour les choses de ce monde. Non. Pour le commerce, pour je ne sais pas quoi. Non. Nous sommes réunis sous la bannière de la ilaha illallah, Muhammad Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu couvre de sa grâce. Non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Les membres de sa famille. Non. Ainsi que tout prophète véritablement envoyé par Dieu. Non. Dans le but de tirer l'humanité de l'esprit vers la lumière parfaite. Non. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Non. La seule chose que je peux dire. Non. C'est que notre frère Koulibaly. Non. Doit toujours dire Alhamdulillah à Dieu. Non. Pour lui avoir donné des parents. Non. Qui lui ont appris l'islam. Non. Qui ont fait de sorte qu'ils soient touchés non. par tout ce qui concerne l'islam. Non. C'est le plus grand cadeau. Attaque-bir. Non. Comment peut donner à un être humain. Non. Avoir des parents qui vous dirigent vers la voie de Dieu. Non. De sorte que non. vous deveniez plus que sensible à non. ce qui touche à l'islam. Et la même chose, les parents doivent dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Avoir eu un enfant. Non. De leur avoir donné un enfant. Non. Qui connaît Dieu. Non. Qui connaît son prophète. Non. Qui connaît sa religion. Non. Et qui aime tous les musulmans au nom de l'islam. Non. Qui ne fait exception de personne. Non. Qui dépense son argent pour la cause d'Allah. Non. Allah fasse de sorte que. Non. Lui et ses parents. Non. Et nous tous. Non. Nous nous retrouvions également un jour dans les paradis. Non. Accompagnés des champions de Tawhid. Non. Mohammed ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa non. Donc, c'est un grand plaisir pour moi. Non. De me retrouver au grand bassin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Au palais de notre papa. Non. Qui est un peu souffrant. Non. Que Dieu lui accorde la santé. Amen, amen, amen. Que Dieu lui accorde la force. Amen, amen. Que Dieu fasse de sorte que cette. La maladie dont il souffre soit une purification pour lui. Amen. Et que Dieu augmente, élève encore son niveau. Amen, 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 amen. À ses yeux. Amen. Qu'il le couvre de sa grâce. Amen. Et qu'il continue à faire de sa fierté et sa postérité une fierté. Amen, amen. Et le musulman. Amen. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci docteur. Merci docteur. Je suis venu avec mes deux frères. Inch'Allah. Qui m'accompagnent. Alhamdulillah. Celui-là, c'est mon frère Abdul Malik. Non. C'est un ex-pasteur converti. Takbir. Soma Takbir. Allahu Akbar. Lui, il faisait tomber les gens dans les églises. Au nom de Jésus. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, il a accepté l'islam. Il a compris que l'islam n'est pas une religion différente que celle qui a été enseignée par Jésus. L'islam, c'est la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Il a compris cela, il a laissé tout ce qu'il avait comme avantage matériel non. dans l'église pour accepter là, il a répondu. Et ce jour, c'est un de mes élèves qui vit en France, non. Abdallah. Il est aussi fils d'un chrétien. Allah. Mais il s'est également converti à l'islam. Et par après, il a découvert que ses grands-parents même furent des musulmans. Allah. Bien qu'il soit né en France, mais il a des origines congolaises. Donc il est venu jusque chez moi. Nous sommes partis jusque dans son village natal pour aller voir la source d'où est sorti, d'où sont sortis ses grands-parents. Donc il est également dans la Dawa. Non. Il a beaucoup de vidéos, de conférences. Tout à fait. Si vous regardez Abdallah Al-Hanif, de Lyon, c'est lui. Et ici, donc, c'est le frère Abdul Malik. Non. Des très bons orateurs, des très bons ouvriers de l'islam sur le terrain, et
Dieu nous a fait riche pour sans savoir. Inch'Allah. Il nous accorde une longue vie. Amen. 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 Et qu'il nous accorde la mort d'après nous avoir trouvé une digne. Amen. Et qu'il est son paradis. Amen. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Yallah. Amen. Docteur, avant que vous preniez la parole, je vais vous présenter. Allahu Akbar. Inch'Allah. Vraiment qualité. Non. 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 Allah Akbar. Non. Allah Akbar. Donc, Inch'Allah. Docteur, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous êtes quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. Je dis là, vous voyez en train de parler, comme il le dit toujours, vous vous connaissez depuis longtemps. Et il sait qui vous êtes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui vient de recevoir une guerre sur sa terre, un grand homme de Dieu. Et lui-même, étant au Congo, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Et il a dit le nombre de personnes que vous avez converties à l'islam, lui sait. Et il demande au passeport de profiter de cette présence de votre présence. Et qu'il dit merci. C'est le petit fils de Alayakwandia. La fondation Alaya Kwandiaï, présidée par le cheikh Ibrahim Ndiaye, pour son premier souci. On vous dit merci. Vous pouvez écouter ma parole. Je vous dis merci. Merci pour votre présence. Que Dieu fasse que Inch'Allah. On les a dans là-bas. On a déjà salué les imams. Non. Le programme sera établi comme suit. Non. Mais il y a un programme qui est établi. Pour qu'à éviter qu'on a présenté Diamanda. Non. D'abord, on le sait, mais au moins, si on les présente, c'est encore mieux. Le docteur Abdul Majid est là. Depuis dans les années 99, l'an 2000, en train de regarder les CD, on est tombé sur une de ces vidéos. Où il était en train de défendre l'islam face aux non-musulmans dans une émission qu'on appelle Kratos. Et quand on a regardé la vidéo, nous n'étions pas les seuls. Tous ceux qui ont regardé la vidéo se sont sentis vraiment musulmans encore de plus. On a tous apprécié de voir quelqu'un qui défend l'islam face aux non-musulmans et il s'en sortait avec vraiment bravo par la grâce d'Allah. Et c'est comme ça que nous aussi on est tombé sur cette vidéo. Ne serait-ce que regarder seulement la vidéo, ça a été comme si c'est pas. C'est-à-dire que c'est un message à la nous transmettre. Et c'est comme ça. Moi, je le question à vous, quand je suis en train de faire, je suis en le faire pour nous donner l'amour interreligieux. On était déjà musulmans. Mais comme dans l'islam, on ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes tombés sur cette vidéo, on a commencé à regarder, on a commencé à re-regarder, on a commencé à prendre note, s'interroger, poser des questions, découvrir des choses qu'on ne savait pas et continuer à faire des recherches. Et comme le docteur a l'habitude de nous dire, il dit ne vous prononcez jamais sur des choses dont vous n'avez pas la connaissance. Et ayons aussi le courage de dire je ne sais pas. Parce que même il a dit lui-même, il peut pas tout connaître et ce qui est vrai. Donc, à part cela, il est accompagné aujourd'hui d'Abdul Malik qui est à sa droite. Le docteur sera mieux placé de le présenter, Inch'Allah. Malik a été pasteur
une vingtaine d'années au Congo, aujourd'hui converti à l'islam. La première fois que je les ai vus, je pensais qu'ils étaient jumeaux. Après, il a dit non, ils ne sont même pas du même pays. Malik est de Brazzaville, Abdul Majid est de Kinshasa. Donc, voilà, voilà, exactement. Merci beaucoup. D'accord, voilà, c'est plus ça. Donc, vous voyez, moi je me suis dit, mais c'est des jumeaux. Mais après, il a dit non, ils ne sont pas jumeaux, mais c'est l'islam qui fait ça. Et aujourd'hui, dans la communauté musulmane partout, tout le monde est d'accord en quelque sorte, tu peux dire oui, avec la dawa que nous faisons. Parce que quelqu'un qui défend l'islam, les musulmans sont dans le droit de le soutenir parce qu'il défend l'islam contre les non-musulmans. Et nous, nous sommes inspirés de lui, de ses vidéos, jusqu'à ce que Allah a facilité qu'on se rencontre personnellement avec lui. La première rencontre avec lui, c'était au Mali. Lorsque nous sommes allés au Mali, je disais comme ça, je dis, mais il y a des gens qui rêvent de voir Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Alpha Blondy. Nous, c'était notre rêve de le rencontrer avant notre mort. Allah a facilité. Et moi-même, je disais comme ça, je dis, aujourd'hui, là, je peux mourir tranquille parce que j'ai vu celui grâce à qui Allah a inspiré pour que lui me fie. Et je ne suis pas le seul. Moi, je suis accompagné de nos frères de Nourdine, Diamant, ils sont là. Les frères de la BAM sont là. Nous sommes tous sortis de la même école du docteur Abdelmadjid. Et aujourd'hui, lorsqu'on l'a croisé au Mali, il a dit comme ça, dans le recensement qui a été fait et que lui l'a su, il y avait 65 enfants qui portaient le nom d'Abdelmadjid dans le monde. Et moi je lui ai dit, ma femme enceinte, Nala Kanyumandigi, mène à toi là Abdelmadjid. Et Allah Kanyumandigi, la femme aussi s'appelle Abdelmadjid. Sans compter les autres Abdelmadjid qui sont dans le monde, c'est une grâce d'Allah. Et ça, c'est la grâce d'Allah, mais en même temps avec les droits qu'ont fait les imams, les droits qu'ont fait les imams à son encontre, pour que Allah le fortifie, qu'Allah le protège dans la défense de l'islam. Donc aujourd'hui, Alhamdulillah, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui à Bassam pour venir saluer El Hadj Coulibaly. Mais l'arrivée du docteur en Côte d'Ivoire, avec Nana Briki Dolela, Misri Menalor, Centre de Menalor. C'est un centre qu'on va construire, Inch'Allah. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a tellement de convertis. Les gens se convertissent de partout. Que ce soit chez les Nourdine Diama, chez la BAM, un peu partout. Mais nous nous sommes dit, convertir quelqu'un, c'est bon. Mais encadrer les convertis, ça, c'est une autre chose. Souvent, là, les Camerounais, autant convertir des gens, on oublie de les envoyer vers les imams. On fait la conversion, on dit non, vous allez partir maintenant, apprendre l'islam en profondeur vers les imams. Et nos imams sont comme des commissaires, des généraux. Mais nous, nous sommes comme des soldats sur le terrain. Quand on va sur le terrain, quand on a des personnes qui veulent devenir musulmans, on dit bon, nous, on fait notre part, mais la suite maintenant, c'est à nos généraux, les commissaires, c'est à eux de prendre le relais. C'est pour ça qu'on oriente les convertis vers les musulmans, vers les imams. Et Inch'Allah, le samedi prochain, la pose de la première paire du centre va être construite à Abidjan, à Bobo-Ndotri. Donc, après avoir posé la première pierre du centre, et Inch'Allah, on va faire des tournées avec le docteur dans toute la Côte d'Ivoire. On a été voir le chef Aïma Ousmane Diakité, quand même dans Longueville, à Kakwase Midama, il m'a donné des conseils en ce sens-là, de mettre l'accent surtout sur la cohésion sociale. Parce que, en Côte d'Ivoire, nous savons ce qu'on a traversé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Et quelle est la place de la dawa que nous faisons dans la cohésion? Est-ce que la dawa va se limiter seulement à dire aux chrétiens, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu? La dawa a plusieurs formes. Donc dans ce sens, nous on a trouvé celui qui est mieux placé pour transmettre ce message en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les imams le font déjà, on leur dit merci pour ça. Mais on veut apporter un plus aussi au travail des imams. Parce que ce sont les imams qui nous ont mis au travail. Nous sommes en train de faire le travail de nos imams. Donc on ne pouvait pas aussi commencer sans venir ici à Bassam, avoir aussi la bénédiction de nos imams pour qu'ils nous accompagnent dans cette caravane qui est la porte de la dawa dans la cohésion sociale. Il y a au moins 10 villes qui nous ont contactés. Il y a d'autres même qui essaient de contacter avant de dire non, le programme est trop chargé, on ne peut pas. Il faut tenir compte aussi de la santé, de nos invités et tout ça. Donc après le samedi 9 décembre, le 14 déjà, on va aller à Boaké. C'est au stade Blédou de Boaké. Il y a le ministre des Transports,
Et le maire de la commune de Poké, M. Amadou Kone, qui a décidé d'être le parrain de cette cérémonie, nous dit Alhamdulillah. Donc, mais avant tout ça, comme je l'ai dit, on a été voir le chèque, il a donné beaucoup de conseils, il a donné son accord, il nous a encouragé. En tout cas, à tout le monde, je pense que nous avons bien pris note. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, on se retrouve à Bassam pour venir saluer M. Koulibaly, qu'il n'est pas présenté à Bassam pour ce qu'il fait pour l'islam, pas pour la DDR, mais pour l'islam. Et c'est pour ça que le docteur aussi est là. Après la salutation de papa, on est venu ici maintenant, les imams sont là, au menace qui là. Donc, l'itomini pendant si ça a une chambre, on met la série pendant la série. La couline flambe, docteur, quand on l'a fait de maman. Et puis, s'il y a des questions aussi à poser au docteur, Inch'Allah, on pourra les prendre, Inch'Allah, à quelques balles à la rassaut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gilbert. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yale, la kaka est baradier. Alhamdulillah, on met la micro passé, imam ou ma, pour ta présentation. Eux aussi vont présenter nos guides religieux et qui sont eux-mêmes grâce à Dieu. Non. Alors, Alhamdulillah, les mamans Kapo Kacha, non. Vous connaissez le mot long. Oui. Mais depuis, à vous la trouver dans la. Non. Au Kapo Belado. Voilà. Chez vous, au Beladeni, Beladeni, mais qu'elle est claire. Au Pefou. Alors, Alhamdulillah, la micro dit, imam Waframa. Non. Allez, venez à la présentation, Inch'Allah. Pour le talent, Inch'Allah. D'accord. Ici. C'est la même chose, on va amener à la place de la Ousmane Ouattara, au nom du groupe Mangui Inch'Allah. Donc, je vais vous présenter mon papa, les imams ici présents. Je vais commencer par mon papa, l'imam Moussa Nabraté, qui est l'imam principal de la mosquée Koubey. Moussa Nabraté. Nabraté. Ok. Qui est l'imam principal de la mosquée Aïwa Koubey. Inch'Allah, je peux dire qu'il est le premier responsable de la communauté soumise, Inch'Allah, à Grand Bassam. Et ensuite, un autre homme qui est là, qui est venu représenter mon papa, la famille Ndiaye et chef Ibrahim Ndiaye, Aïwa Ismail, que vous-même, vous le connaissez, Inch'Allah. Et ensuite, on a mon grand frère qui est là, qui est l'imam adjoint de la mosquée Nour, qui est juste derrière, il s'appelle Fanny Abdourahman, Inch'Allah. Président de la LITSI, la Ligue des prédicateurs des imams en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, donc les représentants du Koumou, section Grand Bassam, Inch'Allah. Et ensuite, l'imam Kindo, à la rencontre de Bassam, il y a un petit village qui est là, qu'on appelle Modeste. La mosquée qui est là, c'est lui l'imam Inch'Allah. Et ensuite, on a notre imam qui est là, l'imam principal de la mosquée Al-Ghouta, qui s'appelle Traoré Mohamed Lamine. Et après, on a notre cheikh qui est là, cheikh Ibrahim Djakité, qui est l'imam principal de la mosquée Fatma Zahra. Et le chef de la communauté chiite sud-coubou, Inch'Allah. Et on a notre grand frère qui est là, l'imam Sissé, c'est l'imam même de Koulibaly qui est là. C'est derrière lui qui fait toutes ses prières, c'est derrière lui qui prie la prière du vendredi, Inch'Allah, la mosquée Dijan. Et on a notre frère qui est là, Ouattara Asma, la mosquée qui est juste à côté là, c'est lui l'imam de la mosquée Ouattara Ousmane. Et après, on a notre frère qui est là, Sangaré, qui est l'imam de la mosquée Kikanga. Il y a un quartier là qu'on appelle Kikanga. C'est l'imam de la mosquée qui est là, Inch'Allah. Et on a Traoré qui vient d'arriver aussi, qui est l'imam principal de la mosquée Yakassé. Tout cela, c'est des imams du vendredi que vous voyez comme ça. Et c'est une grande mosquée aussi.
et on a l'imam qui vient d'arriver, Inch'Allah, l'imam Bamba qui vient d'arriver, Aywa, qui est l'imam principal de la mosquée. Zed Bun Adam, Inch'Allah. Aywa, Zed Bun Adam qui est l'imam principal de la mosquée, Inch'Allah. Et on a l'imam de la mosquée Samassa, Sissé. Inch'Allah, c'est l'imam principal de la mosquée, Samassa, il est imam de vendredi aussi. On a l'imam de Monoukou qui est là, l'imam Yaya, qui est l'imam principal d'une mosquée à Monoukou. Et l'imam Bandango Kanan, c'est ça? Voilà, l'imam principal d'une mosquée à Kanan. Donc là, c'est tous des grands imams que vous voyez là, ils sont tous imams de vendredi, ils sont tous derrière Ishaq Abdoulibani aussi, Inch'Allah. Donc pour vous présenter les imams ici présents, nous tous, nous vous disons bonne arrivée. Et moi-même, ce n'est pas que je m'oublie aussi. Ok, Inch'Allah. Ce n'est pas que je m'oublie. Voilà. Je suis l'imam de la mosquée Zawiya qui est juste à côté là. Et je suis le guide spirituel de la communauté Tijania. Aywa Hamaoussa Djabati va prendre la parole ici au nom de tous les imams. Pour vous souhaiter bonne arrivée sur la terre du grand pasteur Inch'Allah. 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 نعم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من غدرنا إذا لكم الخير والجزاء ومرحبا بكم في ساحل العالم كوتيفا ومرحبا بكم في مدينة بسلام إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون عبده Essayons chaque fois de parler la langue française. Ça, c'est notre papa, notre chef. Non. Tout ça, pour cette débatté. Non. Je représente tous les imams ici. Non. Donc, à travers la famille Koulibaly. Non. À travers la famille communauté musulmane. Non. Des grands bassins. Non. Et tout sud pauvre. Non. On demande à Dieu. Votre arrivée à Bassan, non, ça va être un succès, non, et bien comme le barca dedans, Alhamdulillah, Inch'Allah. C'est que le chef vient de dire, non, en arabe, vous avez bien compris, non, on a demandé de l'expliquer en français, non, puisque les autres n'ont pas compris, non, le chef dit que votre arrivée à Bassan, non, est bénéfique, non, et ça, il y a beaucoup de mérite dedans, non, puisque Dieu a dit dans le Saint-Coran, non, comme un arsan kaoula min manda ila Allah wa amila salihan, non, wa qala innani min al-muslimin, non, est-ce qu'il y a une personne, non, qui est mieux, non, que quelqu'un qui appelle les gens, non, à la religion, non, Dieu dit non, l'homme qui appelle à la religion, non, la meilleure personne parmi vous. Non. C'est le meilleur travail que vous êtes en train de faire ici. Non. Donc on vous remercie non. Pour ce que
vous allez dire ici Inch'Allah. Ce qui est passé ici. Non. Et il a terminé avec toi. Non. Et avec parole de l'imam, de parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit non. À l'imam Ali, non. Qu'il n'est pas qu'il est une personne pour aller vers Dieu. Non. Qu'il n'est pas qu'il est une personne pour venir à la religion. Non. C'est plus mieux que tout ce que tu vas emporter dans cette vie. Non. Donc, on vous remercie, Inch'Allah. Pour le magie. Non. On écoute chaque fois votre débat religieux. Non. À travers la télé, non. À travers les médias. Non. On est très très content aujourd'hui matin de vous accueillir avec nom de tous les imams, non. Avec nom de la famille Koulibaly, non. Et avec musulmans de Bassam. Non. Vous êtes bien arrivés chez vous. Alhamdulillah. On dit dans notre jargon, Akwaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Kamadou. Inch'Allah. De quoi il y en a? À notre grand étranger, celui-là même, c'est la star du jour. Ce que je veux vous dire, docteur, vous savez, ça c'est, nous avons organisé ça tout juste pour une petite visite familiale. Et alhamdulillah, les imams que nous avons appelés téléphoniquement, les imams, tous les imams ont été mobilisés et représentés ici. Donc nous vous disons encore merci. Nous allons vous donner le micro pour votre intervention. Donc, comme dit les débats, les imams, donc il n'y aura pas de grandes interventions. Afano. Parce qu'il est devant les imams, devant les chefs. Non. C'est ça l'islam. Non. C'est ça qui fait la fierté de l'islam. Non. Mais Inch'Allah, bien qu'en face à nous allons demander à Docteur vraiment de nous approfondir encore dans la connaissance. Inch'Allah. Parce que la connaissance ne finit pas. Non. Inch'Allah. Elle ne finit pas, la connaissance est très grande, elle est très vaste. Non. Donc Inch'Allah. Toute la foule assise là, on vient attendre le docteur Inch'Allah. A Takbir! Thomas Takbir! Alhamdulillah, aïe mon Andé! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ya la ni'mati wa salam. Wa salatu wa salam ala man ja'a ala fatrati min al-rusul.
لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد. وعلى آله وعلى جميع أنبياء والمرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمر وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers imams, j'aimerais tout de suite vous dire que Al-A'ima al-Ru'usina, les imams sont au-dessus de nos têtes. Nous ne sommes rien par rapport aux imams. Et c'est vous les imams qui êtes les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour moi, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je compare toujours les imams à l'eau que nous utilisons pour prendre nos ablutions. Et nous autres, nous sommes comme les sables du Tayano. Donc quand il y a l'eau pour s'en servir, pour prendre les ablutions, on n'a pas besoin de terre. On n'a pas besoin de faire un Tayano. Quand les imams sont là, Abdelmajid n'est pratiquement rien. Parce que les imams de Madi n'auraient pas connu ce qu'il a eu la grâce de la part de Dieu et transmettre aujourd'hui aux musulmans. C'est parce que nous sommes allés nous asseoir au pied des imams pour apprendre le peu que les imams nous ont appris. C'est ce qui nous a permis de nous tenir devant des masses pour transmettre le message de l'islam et défendre l'islam dans les limites de notre connaissance. Mais toute la connaissance est encore entre les mains des imams. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, même le travail de la da'wa publique que nous faisons, ce n'est pas notre travail. Ça, tout le monde doit le savoir. Ça, c'est le travail des imams. Ce n'est pas notre travail à nous. C'est le travail des imams. Mais nous nous sortons pour faire ce travail parce que nous trouvons qu'il y a en face de nous, il n'y a pas de gens d'un niveau élevé devant affronter les imams. Il n'y en a pas. Ce sont quoi des personnes qui ont notre niveau à nous et même un niveau un peu. Les imams, ils sont là, ils ont un niveau très élevé. Mais ça, c'est le travail des imams. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il partait faire la da'wah dans les rues, dans les marchés. Il a fait même des portes à porte pour montrer que l'islam ne doit pas être pris en otage entre les quatre murs de nos mosquées. Parce que l'islam, c'est une religion universelle. Mohammed, sa mission est universelle. Le message du Coran est universel. Cela étant, si nous prenons le message universel de l'islam en otage entre les 4000 de nos mosquées, nous rendrons compte devant Allah et au dernier jour. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la da'wa. Il y a la da'wa qui est fardu aïn à la poule musulmane. Muslims, ils ne sont pas des connaisseurs. Chacun de nous. Un devoir sacré pour tout musulman de faire la da'wa. Hein? Les musulmans qui font la da'wa avec des personnes qu'ils connaissent et à un niveau trop bas. Parce que si vous écoutez, vous entendez des imams inversés du Coran les jours du vendredi et que vous avez bien compris l'explication de l'imam, vous pouvez devenir un mukhalid pour répéter ce que l'imam a dit à la mosquée aux autres pour dire le message de l'islam passe. Mais quand il s'agit maintenant de débat, il s'agirait maintenant d'un débat à un niveau très élevé, là ce sont les imams qui doivent intervenir. Ça devient maintenant Fardou Kifaya. C'est-à-dire c'est un groupe de gens qui maîtrisent la religion, qui connaissent le Coran, qui connaissent la Sunna, qui connaissent les fiers, qui connaissent tout à l'islam, ce sont ceux-là qui doivent s'élever. Pour faire quoi? Pour affronter. Aujourd'hui avec les Shubuhat, avec l'internet, les musulmans, beaucoup de musulmans n'ont rien entendu. Dans le monde arabe aujourd'hui, il y a des arabes qui sont rentrés dans le Coran.
il y a des Arabes qui viennent avec ce qu'on appelle, ils disent Al-Akhta Lugawiya fil Quran. Est-ce que tu peux trouver Al-Akhta Lugawiya fil Quran? Là. Lorsque nous attendons, nous disons Al-Akhta Lugawiya, Al-Akhta Al-Mazrouba, Al-Lugawiya fil Quran. Ce sont des prétendus erreurs. Mais quand tu peux venir avec des choubahats dans le Coran, si vous n'êtes pas un imam, vous n'avez pas un niveau élevé, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'il y a des versets qui viennent, par exemple, même dans la langue arabe. Les versets disent, pardon, vous voulez, mais chez toi, nous dit, « Inna alladhina aman, walladhina hadu, wal nasara, wa sabi'ina, ila akhil aïe, mansoub fini aïe, wa sabi'ina. » Il vient encore un autre verset. « Inna alladhina aman, walladhina hadu, wal nasara, wa sabi'una, limada ina, wa limada una. » Parce que c'était en principe, ça doit être ina, parce que c'est harmonasmia, ina. Donc ça devait finir par ina. Mais pourquoi ça finit encore dans un autre verset par una? Comment expliquer cela? Ce sont des choubhats que les Arabes perdirent à bord. Waqala sahiraini. Pourquoi on doit dire waqala sahiraini au lieu de waqala sahirani? Parce que marfou, c'est faille. Il faut que ça soit waqala sahirani. Mais le Coran écrit Waqala Sahiraini. Comment expliquer cela? Ce sont des choubahats. Il y a beaucoup de choubahats comme ça. Et les gens apportent. Mais les réponses sont là. Les réponses sont là. Les réponses sont là et les réponses existent. Mais si vous ne connaissez pas ces réponses, vous allez faire quoi? Alors nous, parce qu'ici, il n'y a pas des arabophones parmi les non-musulmans. S'il y avait des arabophones, ils seraient venus vers nous avec ces gens de choubahats. On se serait directement référé à qui? Aux imams, pour pouvoir trouver des réponses à, à quoi? À ces choubahats-là. Comme l'a dit l'imam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit à Sayyidina Ali, Baramallahu wajh, il dit, La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, khayrul laka min umurna. Une autre riwaya qu'on considère comme daïf, mais des grands ulémas utilisent, il dit, Khayrul laka min ad-dunya wa ma fiha. Si Dieu permet de sortir, par que tu sois la cause de la conversion d'une seule personne à l'islam, sache que cette conversion-là, la conversion d'une seule personne à l'islam, la valeur de la conversion de cette personne dépasse tout ce que la dunya contient. La dunya, c'est ce qu'elle contient. Ça m'a attaqué. Imaginez un seul instant dans la dunya. Vous avez des diamants, vous avez or, vous avez cobalt, vous avez des entreprises, vous avez je ne sais pas quoi. Mais vous dites une seule conversion dépasse la dunya et tout ce qu'elle contient. Pourquoi? Parce que même si on prenait cette dunya, on mettait ça dans la balance. Et de l'autre côté, on mettait la ilaha illallah. La ilaha illallah, la pesée puisque c'est fait. Alors lorsqu'une personne dit Ashhadu an la ilaha illallah, c'est grandiose, c'est grandiose. C'est pourquoi nous, vos enfants, nous, vos élèves, nous n'avons rien à vous apprendre en matière de religion. C'est vous qui nous avez appris tout ce que vous connaissez. C'est pourquoi j'ai dit même à mes frères, qu'est-ce que j'aurais à dire ici en face de vous? Je ne peux rien dire en face de vous. Parce que tout ce que moi je connais, les imams connaissent. Mais ce que les imams connaissent, moi je ne connais pas tout. Et qu'est-ce que je veux dire? Et si j'ai accepté de prendre la parole devant vous, c'est parce que vous m'avez octroyé cette autorisation de prendre la parole devant vous. Sinon, moi je ne vais pas prendre la parole devant vous. Pas du tout. Vous êtes les héritiers du prophète, les successeurs du prophète, les détenteurs et les transmetteurs des valeurs spirituelles et morales positives et universelles. Ils doivent sauver l'humanité du quartier. C'est vous qui en êtes les dépositaires et les transmetteurs. Nous ne sommes rien devant vous. La seule chose que nous allons vous demander, c'est de faire des lois pour nous et de soutenir ce mouvement de l'interreligieux. Parce que ce mouvement contribue non seulement à créer une ceinture de sécurité autour des musulmans, mais il contribue également à donner aux musulmans la fierté d'appartenir à la religion, et ce mouvement contribue encore à apporter la lumière ou encore à répondre à toutes les allégations mensongères autour de l'islam.
nous aimons les allégations mensongères. Lorsque les gens, je me rappelle quand j'étudiais en Égypte, il y a un prêtre, on appelle Zacharia Boutros. Et lui, voilà des fois, il y a un prêtre, 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 il y a un prêtre. C'est lui qui a ouvert la porte de l'utilisation du verset du Coran, du hadith du prophète, pour, vous voyez, tourner un peu la tête des musulmans ignorants. Alors quand j'ai écouté ces vidéos, j'ai dit à mon professeur, moi j'aime ce que fait cet homme, ce monsieur. Oh, mon professeur m'a dit, oh, qu'est-ce que tu veux que tu veux que chaque soldat dise au Hajj pour l'islam? Comment tu peux aimer quelqu'un qui a fait l'islam? Il dit non, à ma porte, on a nos hippos. Mal au hippos, ma yakoubi. Moi je ne l'aime pas, mais j'aime plutôt ce qu'il fait. Il me dit, mais comment tu aimes plutôt ce qu'il fait? Je dis non, j'aime ce qu'il fait. Parce que l'un des secrets de l'expansion de l'islam, Dieu l'a placé dans les attaques contre l'islam. Allah. Yuriduna liyutfi unur Allah bi afwahihim. Wallahu mutimu nurihi wa law kariha al-kafirun. C'est lorsque les gens attaquent l'islam que l'islam va avancer. Et personne ne va l'arrêter. C'est l'un des secrets que Dieu a placé. Lorsque vous osez attaquer l'islam, ne pensez pas que vous cherchez à détruire l'islam, mais vous allez plutôt faire la promotion de l'islam. Ça, c'est l'un des secrets que Dieu a placé. Al-Takbir. Zama Takbir. Barakallahu fikum. Wa sallallahu khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. الحمد لله رب العالمين. دكتور كان تربى صوف تسلم منك. أكاف ما شاء ما بعد الدائرة أكاف كان تربى صوف تسلمك. السؤال كي دكتور a expliqué de suite. On trouve beaucoup de questions dans ce sujet. Comme il nous reste 20 ou 30 minutes avant la prière, nous allons demander à l'Assemblée et même certains imams sur ceux qui ont les questions à poser sur certains versets coraniques qu'ils n'ont pas compris. Ou soit ceux qui ont des hadiths qui n'ont pas compris ces hadiths-là. Deux, ou bien celui qui a un verset biblique qu'il veut prendre pour faire un débat avec un chrétien qui ne comprend pas bien le verset, on peut poser ces questions-là au docteur Inch'Allah pour qu'il puisse nous écrire. Donc la question est ouverte à tout le monde, pour tous ceux qui veulent poser des questions sur ça. Mais moi je vais commencer par moi-même. Docteur, vraiment, on a un verset qui ménage beaucoup de musulmans et même beaucoup des imams. Même beaucoup des imams. Je vais poser ma question d'abord et puis on va poser ta question. Moi, on doit peut parler, mais moi je vais d'abord. Man yahdihullah fa huwa muhtad. Wa man yudlil fala hadiya lahu fala tajid lahu waliya murshida. Donc je veux que vraiment docteur nous expliquer, Inch'Allah, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bikum wa sahlan. Ce que je voudrais dire par là, je ne sais pas le programme de votre intervention, le sujet exact de votre intervention, j'ai pu comprendre quelque chose et je vais vraiment donner quelque chose. Voilà. Ça veut dire, nous les imams, nous sommes les invités pour venir donner l'importance à cette retrouvaille. L'importance à cette retrouvaille
Quand ceux qui sont derrière nous, qui se foutent loin ou tout près, soient intéressés par votre intervention. Mon cher frère aimé, mon chibot qui est à côté de ma à gauche, il m'a dit il est arrivé. Où tu es? J'étais en pleine cérémonie au quartier franc. Il dit je serai là pour tout à l'heure. Je voulais sauter s'il avait des ailes. Maintenant, ce que je voulais proposer, si vous avez des thèmes bien précis que vous êtes venu avec, pour notre fils, notre frère, qui vous a invité, qui vous a fait venir, si vous avez la lettre, demandez que je vous son entourage à conseiller cet entourage, vous dire, on peut que vous venez à Bassam vraiment intervenir sur tel sujet, au nom de mes frères, mes collègues imams, nous voulons vous demander aimablement, respectueusement, de nous donner ce cadeau-là. Nous, on est venus agrémenter, donner de l'importance et pour vous accueillir en tant que collègue étranger. Parce que l'étranger est très important à l'islam. L'important d'accueillir l'étranger avec sourire est très très important. Vraiment. Si vous avez de quoi à dire, essayez de nous jaillir avec cet avis, cet éclaircissement spirituel pour que vraiment nous puissions venir. Voilà. On est venu montrer que vous êtes nos étrangers, nos autres, etc. Vraiment, depuis que vous êtes venu, c'est un plaisir de vous dire ça. Si vraiment il y a quelque chose à dire, vous pour la raison, à partir de vos traces, etc., etc. Partout. Ok, Alhamdulillah. Nos invités sont venus. Le docteur est venu. Il n'est pas venu pour une conférence en tant que tel. C'est juste une visite. C'est ce que j'ai dit. Courtoisie entre nous. Juste une visite islamique. Une visite de remerciement. Donc, le docteur est venu pour ça. Pas comme une grande conférence comme Koulbani a l'habitude d'organiser ici. Mais comme le docteur ne peut pas venir partir comme ça, c'est impossible. Il faut qu'il nous adresse un peu. Tout à fait. Il faut qu'il nous donne un peu de savoir de lui. Tout à fait. Il faut qu'on retienne quelque chose de lui. Tout à fait. Il faut qu'on reçoive quelque chose de lui. Tout à fait. Il faut qu'on s'élève avec quelque chose de bénéfique. Tout à fait. Nous avons essayé d'organiser ça pour que le docteur nous accueille un peu avant de partir. Donc là, la séance ne va pas trop durer. Oui. On veut terminer la séance en même temps. Après cette séance, après la prière, on va se retrouver dedans. Tout on va manger, on va boire de l'eau pour que tout le monde soit satisfait. Tout et en même temps, celui qui a une petite question posée peut poser à docteur. Le docteur va lui répondre dedans là-bas. Après cette séance, il y aura une rapide séance sur la page ici. On va tous se retrouver. Inch'Allah. Donc je pense que comme ça, c'est bon. Donc le docteur va répondre à deux ou trois questions avant la prière, Inch'Allah. Donc la question que j'ai posée, le docteur va revenir là-dessus. En même temps, il va nous expliquer aussi sur autre verset qui est au dos. Il a sa vie, il est rappelé la vérité, comment tu vas le faire la asana. Bon, en même temps, Dieu nous dit, ma vie à tout la famille, donc le docteur va nous expliquer un peu sur ces deux versets, Vous savez, j'ai du mal à aborder ce sujet lorsque ou ces questions répondent à ces questions et lorsqu'elles me sont posées par des imams. Parce que quand je suis en face des non-musulmans, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Et quand je suis en face des imams, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais par contre, au lieu de répondre directement à ces questions-là, moi j'aimerais plutôt vous faire un cadeau ou des cadeaux. C'est-à-dire des cadeaux qui vous permettront de comprendre la densité, n'est-ce pas, du danger de ces choubahats basés sur le Coran. Parce que je sais, le verset même que vous avez cité, il y a le Koufar qui commence à l'utiliser maintenant. Hein? On dit, vous comprenez? Donc il y a aussi la question de la qadr. Il y a aujourd'hui, j'ai lu même dernièrement sur internet, quelqu'un qui disait, mais comment? Il dit déjà, Allah, c'est ma fin, c'est l'enfer.
Mais pourquoi alors il me laisse vivre? C'est comme si Allah serait injuste. Là. Ok, non? Ça n'a rien à voir avec l'injustice d'Allah. Allah est juste. Il n'y a pas d'injuste qui est Allah. Et le problème, c'est qu'Allah connaît votre fait. Vous-même, vous ne connaissez pas votre fait. Et comme Allah connaît votre fait, mais il n'a aucune influence sur le sort, il n'interfère pas sur le sort final de votre fait. Non. C'est comme un professeur. Non. C'est comme un professeur dans une salle de classe. Il sait que cet étudiant est intelligent. Celui-ci n'est pas intelligent parce qu'il ne révise pas ses cours. Donc celui-ci, comme il révise ses cours, il finira par faire quoi? Par réussir. Et celui qui blague, qui joue avec ses études, il finira par faire quoi? Par échouer. Donc le professeur a la connaissance de la capacité intellectuelle respective de ses deux étudiants, mais sa connaissance sur la capacité intellectuelle de ses deux étudiants ne les influence en rien. Mais lui, il connaît, il appelle un constat, il connaît. Et à combien plus forte raison, Allah, c'est lui dont la connaissance est précède de toutes choses. Donc lui, il connaît ton débit, il connaît ta fin. Donc il connaît que toi, tu finiras en enfer, l'autre finira au paradis, mais toi-même, tu ne connais pas. C'est seulement la direction, l'orientation qu'il t'a donnée qui te permettra de te donner une idée sur ton sort final. Si tu sais que Allah t'a demandé de marcher sur telle voie et que toi, tu t'es écarté de cette voie-là, pendant que tu es sur cette terre, tu te diras, ah, donc c'est comme si je vais aller où? Si je continue sur cette voie, je finirai où? En enfer. Et si je reste sur la voie sur laquelle Allah m'a demandé de marcher, je vais faire quoi? J'irai au paradis. Alors, moi, quand je viens, je ne suis pas... Quand je suis avec des imams, par rapport à notre domaine, l'interreligieux, c'est un domaine qui est spécifique. Je n'aime pas me comporter en pêcheur, en celui qui, c'est-à-dire qui donne du poisson aux autres. Et plutôt qui apprend aux autres à faire quoi? À pêcher. Parce que même s'il n'est pas là, vous allez continuer à faire quoi? À pêcher. Et il y a des choses aujourd'hui que nous connaissons dans notre Coran, les imams connaissent, mais il y a des choses que les ennemis de l'islam ont développé. Des choses pour distraire. Israël est musulman. Je me rappelle une fois, j'étais au Tchad. J'étais en face d'un cheikh tchadien. Il est Moufassil. Lui, sa spécialité, c'est les tafsirs, le Coran. C'est sa spécialité. Alors, j'ai dit, cheikh, nous sommes allés lui rendre visite. Je lui ai dit, ça, j'ai une chouba. Et le Moufar, vous prenez l'autre de votre débat. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir la réponse? C'est une chouba relative à un verset du Coran. Il me dit, donne-la-moi. La choubha de pêcheur. Bon, je lui pose la question. Mata kurifat taoula. Al kurifat khabda magi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la Torah, a-t-elle été altérée avant le prophète Muhammad ou après le Muhammad? Le prophète Muhammad. Tout le monde sait, comme on le dit chez nous d'une manière générale, on dit que la Torah a été faite altérée avant que le prophète ne vienne. Alors, quand il a fini, il m'a dit, non, c'est avant que le prophète vienne. Alors, moi, je lui ai posé la question, Mara yuka fil aya lati taqul, kayfa yuhakimuna, wa indahum tawra, fiha hukuma, wa hadha fi zamani Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si vous comprenez, je lui demande, mais quel est votre point de vue sur le verset qui dit, comment il t'appelle pour juger entre deux? Alors qu'ils ont la Torah entre leurs mains, et il y a le jugement des dialogues. Donc le Coran confirme. Indahuma, à Taurat, Fiha, Hokmoma, Wahada Fizaman de Rasoul, et Sakabla Rasoul. Comment tu expliques ça? C'est un coup facile, le Coran. Mais il a eu du mal à expliquer les choses. Il a eu du mal à expliquer les versets. Et pourtant, pourquoi a-t-il eu du mal à expliquer les versets? C'est parce qu'il n'était pas au courant de cette chouba. Parce que quand vous prenez, vous avez connaissance des choubahat, n'est-ce pas? Vous avez déjà la moitié de la réponse. Parce qu'on dit la compréhension de la question est la moitié de la réponse. Donc quand vous connaissez déjà les choubahat, Allah va vous donner déjà une idée sur la réponse à donner par rapport à ces choubahat. C'est pourquoi moi je voudrais, parce que l'Égypte aujourd'hui est considérée comme... l'un des pays où les musulmans sont très forts
dans les villes de région qu'on parle de Moukara, dans le Radial, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-bas. Donc je demanderai à mes jours, il y a un livre, il y a ce livre, je vais vous montrer ce livre. Je pense que vous tous, vous maîtrisez l'Internet. Hein, vous consultez l'Internet. Hein? Vous verrez que ça vous fera du bien, beaucoup du bien. Richard. Il faut prendre note du nom de ce livre. Chacun de vous doit télécharger ce livre. رب الافتراءات المؤثرين حول الإسلام العظيم. Prenez ce livre, téléchargez-le. Moi, si vous téléchargez ce livre ce soir, vous ne ferverez jamais rien. Vous lirez ce livre jusqu'au petit matin. Vous allez voir des choses que vous avez fait. Assumez la photo d'accord. Vous prenez l'image, c'est ça. On n'a pas le choix. Regarde les caméras. Et puis là, il y a 22 heures passées. Alors, et moi, on va nous lire la table des matières après. Je vais vous montrer la table des matières. Et puis je vais vous donner un autre livre qui est très important. Très, très important. C'est pour les imams seulement. Les imams, pour les imams. Maintenant, il y a un autre livre. Ça, en tant qu'imam, c'est plus de 30 faux livres. Mondial. 30 mondial. Ça, c'est écrit récemment. C'est quand j'ai quitté l'Égypte, ils ont fini l'édition. En tout cas, ça vous fera du bien. Beaucoup de bien. Est-ce qu'on n'a pas amené notre midi? Il faut allumer le midi parce que je peux montrer le midi. C'est lui, laisse tomber alors. Oui. Le titre du livre, c'est Baoussou Andoubayan et l'Islam Ferrat Arrad al-Iftiraat wa Shubhat. On a déjà pris ça. Le deuxième là qui vient de parler. Le deuxième c'est. Mais moi j'ai pas l'internet ici. C'est Maoussou Matoubayan Islam. Abraz dans la Iftiraat. Washiwahat. Plus de 30 volumes. Plus de 30 volumes. Akfa d'Inflation mondiale. Rafraîchissez la mémoire aux imams. Attendez, parce que moi j'ai problème des yeux. Non, il n'y a pas de traduction française. Là, c'est pour les arabophones. Hein? Passe l'autre micro là. ممكن نقرا في الفهرة المقدمة من يعبد المسلمون.
اعتقدوا على افتراء اثبات الوحي عن طريق خديجة؟ هل كان الرسول ينسى؟ ردا على افتراء اصابة الرسول بالسحر، افتراء محاولة النبي الانتحار، ما شاء الله، حد الردة، هل الجنة في الاسلام واج وشرب الخمر فقط؟ ما هو جواب؟ الارهاب والعنف في الكتاب المقدس، الرد على افتراء رضاء الكبير، افتراء المنصرين حول صفة مكر الله ومكروا ومكر الله، هل الله ماكر؟ غروب الشمس في عين حمها، أرد على افتراء قصة الحمار يعفوه، أرد على افتراء الوحي في ثوب عائشة، أرد على افتراء استقبال النبي زائريه في مرض عائشة، أرد على افتراء نقص في سور القرآن الكريم، الأصول في إثبات طهارة آمنة أم الرسول، الرد على أن الرسول اقتبس من شعر امرئ القيس لعنت الله عليه، زواج الرسول من عائشة، شبهات من نصراني حائر، نبذة عن عيسى عليه السلام، وفاة عيسى عليه السلام، كيف عالج الإسلام خطيئة آدم؟ من هو الروح القدس؟ التثليث عن النصارى هل له وجود في الإسلام؟ محبة الله في الإسلام؟ افتراء أن الشيطان يوحي إلى الرسول، معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تعظيم الحجر الأسود، تقبيل النبي نسائه وهو صائم، أكل التاج نسخة القرآن من عائشة، هل شرب الرسول، هل شرب الرسول النبي، قتل زيد لأم قرفة، ما شاء الله. هذا الكتاب يحتاج معلية. بول الشيطان في أذن النائم، مكانة المرأة في الإسلام، ما هو القرآن، تغيير الحجاج حروف المصحف، البشارة بالنبي في الكتاب المقدس، من هو الأسكندر ذي القرنين، من الذي كتب القرآن، التعرف على بعض أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، حديث أبوال الإبل، النساء ناقصات عقل ودين، الصلاة على النبي، معجزة الإسراء والمعراج، لماذا شرع الإسلام الطلاق، حديث الذباب، السبايا وملك اليمين، نعيم المرأة في الجنة، افتراء أن الرسول تجاهل الأعمى، هل يوجد محلل في الإسلام، مباشرة الرسول لزوجته وهي حائض، تبارك الله أحسن الخالقين، التنقيط في القرآن، البشارة إلى موسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، الجزية في الإسلام، عريانا يجر ثوبه، تعدد زوجات النبي، ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر، تسمية مريم بأخت هارون، الناسخ والمنسوخ، رفع المعتوف على المنسوخ، غير مسلم ينفي حدوث التزوير في الكتاب المقدس، تحريف مخطوطات الكتاب المقدس، الرد الوجيز لهدم التنصير والتكريس. Témoins de Kitabun Kono, à ton info, comme on entend en français là. Pour le Vatican Maté, mais Kitabun de Doron, Aya donc à fort, l'on y qu'elle a bien ma boue Kitabun.
Le chien pour le canin qui t'a voulu. Ça fait la première fois que j'ai découvert ce livre. Vraiment, c'est très très intéressant. Et on va faire tout possible pour trouver ce livre. Et on reste en contact. Shukran Habib. Merci, docteur. Ça, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau à tous les imams. Et le deuxième livre, là, ça, c'est plus de 30 volumes. Affaires littérature mondiale. Ça, maintenant, il y a un volume spécial pour Radda la Shubahat Mazrouma et Akhtal Lourabouya Bimoran et Karim. Il y a une chose spéciale de ça. Donc, les arabophones vont vraiment tirer profit. Pour ce qui est de la langue arabe dans le Coran, comment les chrétiens arabes utilisent pour essayer de détourner les musulmans de leur religion. Il y a un genre spécial pour répondre à ça. Chaque volume a un sujet spécial qu'il traite. C'est plus de 30 volumes. Le titre c'est Mawsou'atu Bayan al-Islam Abrata la Iftira'at le Shouhad. Quand vous avez ça, il y a des maktabat Waqfiya, maktabat Shamila. Vous allez trouver ce livre pour télécharger ça. Ce n'est pas les imams, nous devons avoir des tablettes comme celle-ci. Les imams, il faut avoir des tablettes comme celle-ci. La connaissance évolue. Avec cette tablette, vous voyez ici, comme ma tablette, ou ma tablette, je vais vous montrer ça. Regarde. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une tablette. Alors. Trop de micros chinois. Voilà. Oui, la tablette, c'est une tablette qui m'a été offerte par la DDR. C'est ça, on l'a offert à Gaza. Voyez ici. Imam, tout ça, ce sont des livres. Je peux porter 10 000 livres dans cette tablette. Je peux porter, transporter 30 000 livres dans cette tablette. Ouais, tous ces livres. Astagbi. Astagbir. Thomas Astagbir. Le docteur est là. Vous voyez par exemple ces livres. Tout ça sont des livres. الحوار مع أهل الكتاب خصوصه ومناهجه في الكتاب والسنة اللي بدأ même si j'ai un problème de yeux je peux agrandir. Donc les imams, chacun de nos imams doit avoir une tablette et avoir des livres. Il y a aujourd'hui des Mawsou'atul Khutba. Mawsou'atul Khutba. Vous pouvez télécharger une Mawsou'a sur le net. Vous avez plus de 10 000 Khutba. 10 000 Khutba. Il vous suffirait seulement d'avoir le temps, assez de courage et d'énergie pour les livres parcourir. Vous choisissez selon le sujet. Parce que c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il arrivera un moment où la connaissance va laisser les pattes tellement sur la terre que les gens vont même faire quoi? Vont refuser la connaissance. Nous en disons, Alam al-insan, ma alam ya'alam. Donc, c'était ça mon cadeau. Au lieu de me demander des explications comme l'a fait l'imam, ça se trouve, la réponse à votre question se trouve dans le livre de l'Israël. Alors, l'imam Yasha, ça se trouve là-bas. Tout ça se trouve dans le livre. Vous allez lire ce soir-là, celui qui aura la chance de télécharger ça, même si son téléphone, parce que vous pouvez télécharger en version PDF, voilà, vous n'allez pas dormir aujourd'hui. Vous allez lire ce livre jusqu'au petit matin. Tellement que ça vous fera découvrir des choses, ça vous fera aimer votre religion, ça vous donnera la fierté d'appartenir à l'islam, et au final, vous n'aurez peur de que ta vie. Merci docteur. Nous disons merci au docteur Inch'Allah. Merci docteur. Et les imams ici présents,
Docteur nous est tous mis en mission. Ceux qui n'aiment pas faire les mourajas, ils aiment maintenant lever vous. C'est Mouradja qui a approfondi la connaissance de l'homme. Celui qui ne fait pas Mouradja, il serait gari. Donc d'ici la semaine prochaine, on doit tout faire pour savoir au docteur. Même à Denis, on a fait des recherches là-dessus. Voilà ce qu'on a appris de Denis Brinja. Je pense que je vois que tu aimes trop taquiner le bien. Ok, docteur, dis d'arrêter de vous taquiner. Donc alhamdulillah, nous disons merci au docteur. Je vais passer le micro au chef Ibrahim. Alhamdulillah, je vais le docteur. Lui-même si c'est. Ok, pour votre amour qui là, il a donné votre nom à son fils à vous imaginer. C'est mon père. Vraiment, il vous porte beaucoup dans son cœur, il vous parle beaucoup de à vous parler, Inch'Allah. Donc là, avant que le chef va prendre la parole, il est presque l'heure de la prière. Nous allons nous diriger à la mosquée, Inch'Allah, on va prier après l'intervention du chef Ibrahim Diakité. Mais il y a une chose qu'on va dire à Ibrahim, il n'est pas plus à la maison, donc on n'est pas fait prier les gens. Donc arrivant à la mosquée, on va lui dire, imam, puisque nous l'avons prié déjà, non, essayez déjà, il dit la mosquée n'est pas considérée. Donc, alhamdulillah, quand nous allons nous retrouver des dents pour la nourriture, après la nourriture, tout le monde va rester sur sa table. Celui qui a une question à poser peut poser directement au docteur, le docteur va répondre sa question, Inch'Allah. Docteur Abdelmajid, Inch'Allah, بإسم الأئمة جميعا ننتقل من لغتنا المحلية لغة الفرنسية وجولة ونتدرج إلى لغتنا العلمية والدينية التي تجمعنا كطلاب العلم والمدرسين والأئمة بإسم الجميع وباسم أئمة بسام نحن في هذا اليوم سعداء ومسرورون جدا باستقبالكم في هذا البلد وفي هذه المنطقة وفي هذه المدينة بكل صدق ووفاء نحن اليوم كنا مشغولين كثيرا ولكن إذا يأتي إليك ضيف عزيز يجب أن تستقبل هذا الضيف بكل احترام ووقار ولسبب ذلك الأئمة برغم أشغالهم تركوا أشغالهم وأمورهم وجاءوا لاستقبال لأنك تقوم بدور الذي هم يقومون به في تربية هذا المجتمع وفي وقوف مع هذا الدين الإسلامي على مستوى المعمورة فنحن عندنا طلب موجه إلى شخصيتكم الكريمة وهذا الطلب طلب واحد فقط وهو أن تشمل في دعوتك التركيز على الوحدة الإسلامية لأننا نحن بأمس الحاجة إلى هذه الوحدة سيما في هذا الوقت بالتحديد تعرفون أكثر منا بأن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اليوم جهل المسلمين بالإسلام وعدم وعيهم لمخططات أعداء الدين انظر ماذا يحدث في فلسطين فهنا نحن نريد منك بصفتك رجل معروف في العالم الإسلامي وعندك كثيرون من الأتباع أن تضيفوا على دعوتكم الوحدة الإسلامية ونشكركم جزيل الشكر ونقول لكم أهلا وسهلا وقبل أن تغادروا إلى بلادكم سوف سنكون عدد الإخوة ونذهب إليكم لنسلم عليكم وشكرا لكم من جديد وشكرا لكم ووفقكم الله والضيف الذي صحبكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Salam alaikum.
Voilà, ciao. Maintenant, découpé. Ok. Hey!